Officier, quand on a quelques liens de parenté avec Crésus, on peut bénéficier de quelques milliards de plus. Le mauvais sang rend d'office les uns et les autres complices, complices des mêmes méfaits et des mêmes forfaits. Je ne vous apprends rien. Le grand banditisme est un fait et non un conte de fées. 13 milliards. De dollars octroyés généreusement à l'armée israélienne pour qu'elle parachève la raison palestinienne, qui viole bien, ne s'arrête pas au milieu du chemin. Il étreint sa victime jusqu'à ce qu'elle lui cède tout ce qui lui reste à la fin, sa fiche d'état civil. Pour que plus personne ne puisse ne fût-ce qu'évoquer le nom de la Palestine, sous peine de tomber en ruine. C'est ce que la raison totalitaire appelle de l'aide humanitaire. L'armée israélienne n'a pas assez montré et démontré de quoi elle était capable, coupable. Les États vernis se sentent obligés de surcroît de l'aider à poursuivre sa mission d'épuration. Et le premier sinistre israélien n'a eu d'ailleurs aucun mal à le reconnaître en disant qu'il ne fait que défendre l'Occident, la cause, la civilisation occidentale. C'est ce que la psychanalyse appelle la cause subliminale de celui qui s'octroie tous les droits par la force. Parce que juridiquement, il n'en a aucun. Alors on invoque le Moyen-Âge pour combattre et abattre tous ceux qui ne partagent pas la même image du monde que vous. Les sauvages, les pauvres sauvages. Quel dommage qu'il n'y ait pas suffisamment de sages dans ce bas monde pour les arracher aux griffes de la mort. Et comment pourrais-je vous le formuler autrement qu'en disant que l'humanité est morte? Et c'est nous qu'ils l'avons tué.